Messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une femme qui, assurément, n'a pas besoin d'être présentée. Une très grande actrice qui vient pour la première fois à Londres. Marilyn, est-il vrai que vous ne portez rien d'autre que du parfum pour dormir? Chérie, comme je suis en Angleterre, disons que je ne porte rien d'autre que de la lavande de Yardley. Je meurs d'envie de la voir. Cette histoire est celle d'un miracle. Mademoiselle Monroe? Marilyn n'est pas prête. Excuse-moi, je suis affreuse. Quelques jours dans mon existence où un rêve est devenu réalité. Est-ce que tu as peur de moi, Colin? Non. Tant mieux, tu es quelqu'un que j'apprécie. Colin, tout va bien? Mademoiselle Monroe avait de gros colis à expédier, je suis allé l'aider. Que fait Marilyn avec mon troisième assistant? Surprise! Non! Reviens ici, Colin! J'ai quelque chose dans l'œil. Je ne vois rien. Prends garde à ne pas trop t'investir, mon garçon. Marilyn Monroe a un faible pour toi? Tu plaisantes. C'est une briseuse de cœur et elle brisera le tien. À ta place, je ne me ferai pas avoir par son numéro de petite fille perdue. Je pense que Marilyn sait exactement ce qu'elle fait. Les gens ne voient que Marilyn Monroe. Que peut-on bien ressentir lorsqu'on est la femme la plus célèbre du monde? Vous pouvez renoncer à tout ça. Oubliez Marilyn Monroe. Oubliez Hollywood. Tout laisser tomber. Le premier amour est un doux désespoir, Colin. Est-ce que je dois être elle? Qui? Marilyn!